Salut les amis, c'est Max5336, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débriefing sur la PS4, tout ce qu'il faut savoir sur la PS4, c'est ici que vous allez le retrouver, enfin du moins tout ce qu'il faut savoir d'important et de crucial, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, rapidement, les gameplays que vous allez voir, en fait, il faut savoir que c'est une vidéo qui est plus portée pour l'écoute, mais il va quand même avoir des gameplays de fond et des petits extraits de certaines choses dont je vais vous parler, comme ça sera un peu plus explicite. Il y aura des gameplays pour commencer sur Black Ops 2, puis sur MW3 et pour terminer sur Black Ops 1 si on arrive jusque là. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je serai prêt à parier pour une vingtaine de minutes, on verra bien, selon ce que je vais dire. Alors, rapidement, avant de parler de la PS4, je ne peux pas parler de la PS4 sans parler rapidement de la Xbox One. Je pense que vous l'avez vu, dans la nuit de mercredi à jeudi, oui, c'est ça, à l'heure européenne, du moins sur la Meridian Greenwich, comme je... Greenwich, je le dis si bien. Microsoft est arrivé en disant, c'est bon les gars, on ne fait pas de zonage, on arrête la connexion toutes les 24 heures et on ne tue pas le marché de l'occasion. Je m'exprimerai sur vendredi prochain, ce sera en fait vendredi prochain, il y aura ma dernière vidéo sur l'E3, ce sera un débat avec plusieurs personnes que j'ai trouvé qui voulaient participer à ce débat, donc c'est assez sympathique. Et je vais m'exprimer là-dessus, ça c'est juste que moi mon idée, elle change pas, donc voilà. Je vais dire à la fin qu'est-ce qui me plaît le plus, même si vous le savez déjà si vous avez regardé ma vidéo de la semaine précédente. Nous sommes partis, alors qu'est-ce qu'il faut savoir déjà sur la PS4? Alors, bah, elle fait comme la Xbox One maintenant, mais elle le faisait déjà, enfin elle avait été annoncée un peu avant. Elle ne fait pas de restrictions sur les jeux d'occasion, c'est-à-dire que vous pouvez vendre, prêter votre jeu comme vous le souhaitez. Pas de connexion obligatoire pour valider ces jeux. Donc en somme, vous ne devez pas vous connecter toutes les 24 heures, etc. pour... pour valider ces jeux, quand je dis ça, c'est vous devez vous connecter toutes les 24 heures, sinon vous ne pourrez pas jouer en solo. Alors elle a un prix qui est toujours un peu, qui est toujours intéressant, 399 €, donc soit 399 €, que je trouve assez intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas la Kinect, c'est pour ça qu'elle coûte 100 € moins cher. Il y a le PlayStation Ace qui coûte 49 € si je ne me trompe pas. Ça ne vaut pas du tout la Kinect, on est bien d'accord. Mais le truc qui est bien, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Et il faut savoir que la Kinect, en somme, je trouve que moi, quand je regarde ça, je me dis, mais à quoi ça sert un petit peu? Parce que c'est vrai que c'est très bien, la Kinect 2.0 est terrible, sincèrement, elle est terrible. Mais est-ce que vous allez réellement l'utiliser? Parce que moi, personnellement, j'ai une Xbox et la Kinect, je me suis jamais dit, putain, il faudrait que j'ai de la Kinect. Peut-être une ou deux fois avec des potes que vous les invitez, ouais, on va jouer à la Kinect pour bien s'amuser, mais sans plus, quoi. C'est un peu comme la Wii et Wii Sport, quoi. Personne ne joue à Wii Sport, sauf quand il y a des amis, quoi, ou quand vous venez de recevoir votre console et que vous trouviez le concept complètement innovant, mais ça, c'était à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'elle n'a pas de zonage. Alors, la Xbox One a dit qu'il n'y avait pas de zonage. Moi, de toute façon, je voudrais juste être sûr, donc c'est vrai que logiquement c'est sûr, mais pour le zonage, j'attends un petit peu de voir. Alors, pas de zonage, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne le savent pas? Alors, du zonage, tout simplement, c'est le fait que quand vous avez une console achetée en Europe, je sais pas, vous achetez votre console à Lyon, en France, je suis belge, donc je prends n'importe quelle ville, bref, cette console, elle fonctionnera partout en Europe, donc en Belgique, en France, en Angleterre, normalement, donc tout ce qui est dans le continent européen. Mais par contre, vous partez aux États-Unis, vous achetez, waouh, je vois Call of Duty Modern Warfare 27 qui coûte 45 €, enfin 45 $, ce qui veut dire environ, vous faites la conversion dollar-euro, on va dire ça va faire coûter 35 €, et en Europe il coûte 50 €, donc vous achetez à 35 €, vous mettez dans votre console, et là il va vous mettre erroné. Le disque est illisible. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un code dans le CD qui fait que, en fait, les développeurs qui développent les jeux créent le jeu et à la fin il y a une petite touche qui fait toi tu fonctionneras qu'en Europe et ainsi de suite. Pourquoi ils font ça? Tout simplement pour payer deux fois le jeu. Donc c'est-à-dire que si vous êtes américain et que vous venez déménager en Europe, tous vos jeux ne fonctionneront plus sauf si vous avez gardé votre console américaine. Ou alors tout simplement ça incite les gens à acheter deux consoles. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez il y a des jeux japonais qui ne sortent qu'au Japon. Et donc du coup, si vous voulez jouer à ces jeux japonais, eh bien vous êtes obligé d'avoir une console japonaise. C'est pour la PS3, l'Xbox One, vous n'avez pas le choix. Mais cette fois-ci, pour la PS4, eh bien vous pourrez tout simplement vous dire, tiens, j'adore ce nouveau... Par exemple, je pense à Ni no Kuni qui était sorti sur PS3. Mais bon, je prends un autre exemple, par exemple sur DS, il y a un Ni no Kuni qui était sorti sur DS, un très très bon jeu, mais il n'est jamais sorti en Europe. Et donc du coup, bah, vous ne pouviez pas jouer au jeu, sauf si vous aviez Nintendo DS. Japonaise, ou on va dire asiatique, qui vient d'Asie. Donc malheureusement c'est un simple problème. Donc le zonage c'est très bien, mais bon, il faisait ça pour que vous puissiez payer le jeu deux fois, et aussi c'est pour éviter l'import-export un peu abusif. Ben je ne sais, ils le font plus, je ne sais pas qu'est-ce que ça leur rapporte, mais ça leur fait une bonne pub en tout cas, parce que c'est intéressant. Je me dis, bon, moi j'ai la chance d'aller une fois de temps en temps aux États-Unis, donc je peux acheter des jeux. Ok, ils seront en anglais, mais des jeux en anglais on s'en fout complètement, faut pas acheter n'importe quoi en anglais, c'est clair et net.
Sauf si vous avez des très très bonnes bases. Moi j'ai des bonnes bases, mais il y a des jeux quand même où j'ai un peu de mal à la tête des gens français. Alors je pense au Final Fantasy, moi ça en anglais je pense que je deviens fou. Donc c'est vraiment intéressant pour le prix dollar, euro, donc ça vous fait vraiment un avantage. Bon après évidemment le jeu sera en anglais, sauf s'il est multilingue. Je vais terminer là-dessus. Ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter le jeu au Canada, parce qu'au Canada ils ont une monnaie différente. Je pense que c'est le dollar si je ne me trompe pas, il me semble, oui, c'est le dollar. Et le dollar coûte moins cher aussi là-bas, et comme il y a des régions francophones, bien vous pourrez tout simplement acheter le jeu en francophone et moins cher. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Alors, quelque chose de très très important, c'est la batterie en fait de la manette. Car je trouve que c'est comme la PS3, en fait, il y a une batterie. Donc, je pense que vous le savez, quand vous n'avez plus de batterie, vous connectez à votre manette, à votre PlayStation en USB. La Xbox, c'est pas du tout comme ça, parce que j'ai la 360. Ce sont des piles, vous pouvez acheter des batteries à part. Et Xbox One refait pareil. Alors, bon, je veux pas critiquer Xbox One, hein, je suis pas là pour ça, moi je suis là pour parler de la PS4. C'est une bonne idée de faire ça, de mettre la batterie directement, parce que les piles commencent à en avoir ras-le-bol, les piles ça commence à disparaître un peu pour certains trucs. Et quand on voit le prix de la console, il est peut-être temps de mettre des vraies batteries. Donc c'est un peu le, c'est aussi pourquoi les manettes vont coûter toujours des ponts avec le pavé tactile. Parce que c'est vrai qu'il y a une rumeur qui dit que la manette coûterait 60 €, ce qui est quand même énorme. Mais faut pas se leurrer, c'est là-dessus qu'ils se font le plus d'argent et le plus de marge. Donc bah, évidemment, ils vont pas se priver de mettre de mettre en somme un prix plus élevé. Plus ils peuvent se faire de la thune, mais ça, il n'y a pas que eux, c'est tout le monde, évidemment. Alors, il y a aussi quelque chose qui est plutôt pas mal, je trouve, qui est assez intéressant, c'est les 8 Go de RAM. Donc ça, c'est pour les deux consoles, mais il y a que seulement 1 Go pour l'OS. L'OS, c'est le système d'exploitation. C'est ce qui fait tourner votre ordinateur. C'est comme Windows 8, Windows 7, ou pour Apple, Mountain Lion, Lion, etc. Eh bien, vous avez 8 Go de RAM, d'accord? Donc ça, c'est 8 Go de RAM, c'est ce qui permet de faire fonctionner votre ordinateur, c'est la mémoire. Je pense que je vais agresser les connaisseurs, mais en somme, je fais des raccourcis pour les gens qui ne connaissent pas vraiment. Mais en somme, vous dites, voilà votre ordinateur, vous avez 8 Go de RAM dessus. Une fois que les 8 Go sont utilisés, votre ordinateur est très très lent. Or, quand vous avez 8 Go de RAM et que votre OS fait 1 Go, il vous en reste plus que 7, c'est déjà pas mal. Mais la Xbox One en utilise 3, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus que 5. Ce qui fait qu'il risque d'avoir un peu plus de... Ça risque de ramer un petit peu plus sur la Xbox One. Ceci dit, ça m'étonnerait parce que les jeux, je ne pense, ils vont jamais être utilisés pour utiliser 7 Go de RAM. Pour moi, ça paraît impossible. Ils vont souvent utiliser 3, 4, maximum 5. Peut-être que s'il y en a qui en utilisent 6, on verra peut-être une différence. Mais ça m'étonnerait. Alors, pour continuer, il y a aussi le fameux disque dur amovible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un disque dur amovible? C'est tout simplement 500. Donc, c'est un disque dur de 500 gigas. Vous pouvez l'enlever et en mettre un nouveau, plus puissant, 1 Tera. C'est un peu comme si on en collectait à l'extérieur. Mais là, vous pouvez changer un disque dur. Ce qu'on parle à Xbox One, c'est amovible. En fait, vous ne pouvez pas changer le disque dur. On arrive un petit peu aux éléments caractéristiques de la console au niveau interne. Alors qu'est-ce qu'il y a au niveau interne? C'est déjà le PlayStation Plus. Le PlayStation Plus que vous connaissez certainement, qui est à 50 € par mois, mais qui était un petit peu casual, je dois le dire. Casual, ce qui veut dire que c'était un peu pas très très pratique, pas super top. Parce qu'au final, on recevait pas grand chose. Il y avait des chouettes jeux, c'est vrai. Par exemple, ce mois-ci, au mois de juillet, enfin, au mois de juin, mais au mois de juillet, il y a Battlefield 3 qui arrive et qui va être gratuit, ce qui est quand même pas mal. Et bien, cette fois-ci, sur le PS4, il sera plus casual parce qu'il sera obligé pour jouer en ligne. Ce sera un peu comme l'abonnement Gold sur Xbox 360. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Peut-être que ça va être. Enfin, je dis pas que c'est des serveurs dégueulasses, mais il faut quand même avouer qu'il y a des problèmes de connexion sur certains jeux. Je pense que là ils ont fait un véritable effort, dû aussi avec une espèce de cloud qu'ils vont mettre en place. Mais un cloud vraiment, c'est pas vraiment un cloud super performant, mais ils vont quand même en mettre en place. Poursuivre, nous avons aussi, alors je pars rapidement du côté, je m'enlève un petit, enfin je pars plutôt du côté graphique et je vais y revenir juste après. Ce sont les exclus, ils annoncent 20 exclus pour l'année 2014 sur PS4. J'espère sincèrement que Naughty Dog va nous faire un sale jeu parce que j'adore Naughty Dog. Après Uncharted où je suis tombé amoureux et The Last of Us que je suis en train de jouer, j'adore ça. Alors j'ai envie de vous dire un truc là, à ce moment-ci je suis en train de mourir de chaud. J'ai dû fermer ma fenêtre sinon il y a un sale bruit dehors, il pleut un peu, il fait pas très beau, il fait super moite. Alors là je suis en train de mourir, vous devez déjà m'imaginer en train de mourir devant mon ordinateur, c'est un peu n'importe quoi. Allez, on passe maintenant à l'interface et là vous allez avoir des petites séquences de gameplay parce que la PS4 a sorti une nouvelle vidéo. Et elle nous a montré... Oula, je vais m'étrangler. On nous a montré tout simplement l'interface sous une façon un petit peu humoristique et un petit peu différente. Alors, il y a déjà une chose que j'ai remarqué qui m'a paru flagrant, c'est que le nouvel interface sur PS4 ressemble énormément à l'interface du PS Store, du PlayStation Network.
Enfin, PlayStation Store plutôt. J'ai l'impression qu'ils l'ont mis sur PlayStation Store et ils l'ont appris tous. Ils ont pris ça et ils l'ont tourné et voir en fait les réactions des gens et ils l'ont modifié par rapport aux réactions des gens. Je pense vraiment que c'était un test en fait de PlayStation Store et qu'ils l'ont adapté après sur PS4. Sincèrement, je pense que c'est mon ressenti. Après, évidemment, je ne travaille pas chez Sony. Je n'en sais rien. Alors après, j'ai vu aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est on peut partager ses vidéos sur un mur, un espèce de mur un peu style à la Facebook et on peut liker. Et une fois que vous likez, en fait, quelque chose de très très bien, c'est qu'une fois que vous partagez la vidéo sur votre mur, il y a possibilité d'acheter le jeu directement, d'avoir des détails sur le jeu. Donc c'est assez complet et assez pratique. On voit aussi complètement votre page personnelle. Hein, je sais pas si vous voyez un peu sur le PlayStation, sur la PS3, ouais, c'était un espèce de petit cube. Vous pouvez cliquer dessus, il y avait en bas vos trophées et tout, un truc un peu tout lent et vraiment pas intéressant. Cette fois-ci, c'est quelque chose d'assez ludique et assez pratique. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. On voit qu'ils ont mis un gros point sur le social cette fois-ci. Et ils ont mis aussi un point sur le jeu. Donc ils ont vraiment pensé aux gamers et je trouve ça vraiment assez intéressant. Donc, ils ont refait vraiment une page personnelle assez intéressante. Un peu un système à la Facebook, le nouveau système Facebook en mur. Je dis un petit peu parce qu'on l'a pas vu plus, mais ça ressemble un petit peu. On arrive vraiment dans le côté social et réseaux sociaux. On sent vraiment qu'ils ont une influence sur les consoles nouvelle génération. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué qui était... Moi, je trouve ça mais super, super puissant. Après, c'est pas, voilà, on l'a pas encore vu, c'est le fait de pouvoir, en fait, le mec regarde une vidéo, en fait, on voit que le mec perd sa partie, donc il perd, après il fait, mais comment est-ce que je fais pour avancer, donc il sait que son ami, elle a réussi le niveau, elle a partagé la vidéo, il la regarde, et pouf, il appuie sur un bouton et il repasse directement sur le jeu, sans aucun temps de chargement, une fluidité extraordinaire, je pense que c'est possible maintenant, à voir, mais je trouve ça quand même... assez intéressant, moi je trouve ça mais moi je trouve ça terrible, même si les gens disent ouais le PC c'est mieux que la Xbox One et PS4, les consoles sont déjà dépassées niveau composants, moi je m'en fous de tout ça, je trouve que c'est déjà très très bien ce qu'on peut arriver à faire ça avec une nouvelle console, je trouve ça quand même vraiment sympathique. Alors ça c'est quelque chose qu'on a remarqué et que j'en ai déduit, on a pu remarquer que maintenant ils ont enfin instauré les groupes d'amis sur PS4. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'on les voit parler alors qu'ils sont sur deux jeux différents, donc ce qui était impossible sur PS3. Et leur micro est connecté, enfin leurs écouteurs sont connectés à la manette. Je suppose que, à mon avis, on pourra connecter notre Triton comme avant. Et c'est assez intéressant, enfin votre Triton ou votre autre micro. Et donc tout simplement, c'est vraiment super, mais super stylé, je trouve. C'est vraiment des groupes d'amis, c'est ce qui manquait sur PS3. Il y en avait un petit peu, mais c'était complètement nul, ça servait à rien. Personne ne l'utilisait. Des groupes de chat textuels, genre de trucs, on s'en foutait complètement. Enfin, des groupes d'amis, on peut parler en jouant à d'autres jeux, mais c'était quelque chose qui manquait. Et cette fois-ci, ils l'ont fait, je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Donc voilà, j'ai un peu parlé de ça. Alors, il y a aussi une chose que j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une espèce de... On peut s'envoyer des messages un peu en forme de iMessage sur iPhone. Et une fois qu'on envoie ça, en fait, on peut aussi accéder à ces messages sur son smartphone. On peut, en fait, j'ai l'impression que maintenant, ils mettent un gros point sur les smartphones et sur les tablettes tactiles. Donc, beaucoup de jeux exploitent les tablettes tactiles via des applications bientôt, comme le mode Commander sur Battlefield 4. Et bien là, je pense qu'il y aura une application Sony, donc PS4, où on pourra gérer son compte, envoyer des messages, regarder, en fait, vraiment un système de Facebook. On peut accéder au mur et tout ça, on peut acheter le jeu à distance, on peut faire pas mal de choses et je trouve ça vraiment super cool. Moi, j'adore beaucoup. Enfin, j'adore beaucoup. Oui, cette phrase ne voulait rien dire. Non, mais j'aime vraiment bien ce système. Et puis, une dernière petite chose que je trouve qui n'est pas anodine, c'est qu'ils ont enfin changé le système de notification qui était un petit peu, un peu bébête. Machin, bidule, truc, l'autre se connecte avec un vieux truc gris. C'est vrai que ça devenait un peu bizarre. Mais maintenant, ça a l'air un peu mieux. J'espère qu'on va pouvoir faire un peu comme sur 360. Quand quelqu'un vous envoie un message, vous appuyez directement sur la touche Xbox et ça vous ouvre le message directement. J'espère qu'on pourra faire ça sur PS4. Je pense que oui. Alors, il y a une dernière chose qui vraiment est importante, le système de stream. Donc voilà, un système de stream. C'est le fait tout simplement de pouvoir... vous jouez en partie, vous pouvez mettre ça en ligne. Alors Xbox One, enfin Microsoft a un partenariat avec Twitch TV. Eux, ils ont leur propre système de stream qui, j'espère, sera aussi... On pourra le voir sur PS4 et j'espère qu'on pourra aussi voir ça sur Internet. Alors on va passer rapidement à la manette, même si j'ai pas grand chose à vous dire parce que tout le monde l'a déjà vu. Il y a le fameux bouton share pour partager quelque chose, le fameux pavé tactile qui est cliquable ou tactile. Donc je pense que c'est ce qui... Enfin, je ne dis pas que ça justifie le prix, mais eux ils vont justifier le prix de 60€ de la manette par ce pavé tactile. Je trouve pas... Moi je trouve que 60€ ça se justifie pas du tout, mais bon voilà. Les joysticks ont été changés, ils sont antidérapants parce que c'est vrai que sur PS3, pour ceux qui jouent à FIFA 13, des fois on court à gauche, notre doigt glisse, on se sent frustré et sincèrement, c'est un peu...
un peu frustrant, tout simplement. Des fois, notre doigt glisse, on rate notre action et on est là, non. Donc voilà. Eh bien, le but, c'était de vous faire un maximum d'informations en 15-20 minutes. J'ai essayé d'être le plus concret possible. Si vous avez des questions, dites-les dans les commentaires. Si vous avez des réactions à chaud ou à froid, dites-le. J'espère que le petit gameplay vous aura plu. Alors moi, je vais vous donner un conseil pour choisir une console. Moi, je vais vous le dire, et c'est très important, je viens de parler comme Sarkozy, je trouve ça énorme. Moi, je vais vous le dire. Écoutez, je vais vous le dire. Je fais très mal sur une imitation. Moi, je pense qu'il ne faut pas écouter les gros youtubeurs. Alors, vous allez me dire pourquoi. Je ne critique pas du tout leur travail. Le problème, c'est que les grands youtubeurs, ils ont des sponsors avec EA, Ubisoft, Microsoft, peut-être Sony. J'en ai pas vu beaucoup. Je sais que Cyprien est partenaire avec Sony, c'est eux qui l'ont envoyé à l'E3. C'est très très bien, le problème c'est qu'il n'y a pas de côté impartial. Quand ils vous disent, oui, mais nous on nous paye, mais jamais on nous paye pour dire du bien du jeu. Écoutez, je vais vous donner quelque chose d'assez concret. Un bête exemple comme ça. C'est comme si... Je sais pas vraiment, j'ai pas d'exemple comme ça en soi, mais... Ça paraît un peu con, quoi. C'est un peu comme si quelqu'un vous donne 10 euros tous les jours, c'est un de vos potes, il vous donne 10 euros, mais que vous dites à tout le monde, ce mec-là c'est un gros connard. Je veux dire, il vous donnera plus 10 euros, vous êtes au courant qu'il vous donnera plus de l'argent parce que le mec va être frustré, on l'insulte. C'est exactement pareil. Écoutez-le si vous voulez, mais les gens comme les grands youtubeurs, ils ont des partenariats, donc ils vont être influencés et eux ils vont acheter les deux consoles de toute façon. Et voilà, alors certains vont dire je pars pour l'e-sport. Moi je vous dis attendez un peu, l'e-sport, il va s'adapter aux deux consoles, il va se dire il va peut-être rester sur One, mais il y a de grandes chances qu'il parte sur PS4. Tout dépend des ventes de la console. Mais moi je vous dis sincèrement, les grands youtubeurs, ils ne sont pas tout à fait impartials et c'est pas la meilleure des choses de les écouter. Et ni non plus de les suivre, c'est ça que je dis. Écoutez plutôt les youtubeurs comme moi. Moi je vous dis, j'ai pas de partenariat avec eux, donc moi je dis ce que je pense. Après aussi, faites-vous votre propre avis, c'est le plus important, et parlez-en entre amis qui s'y connaissent. Évidemment, il faut qu'ils s'y connaissent, ça me paraît un peu logique. Voilà les amis, c'était tout ce que j'avais à vous dire. 17 minutes, j'espère que les gameplays vous auront plu, c'était pas trop mal. Je ne sais pas en fait si... je pense qu'on est arrivé au gameplay de Black Ops 1er du nom. J'espère que vous verrez la fin. Au pire, c'est pas grave, vous ferez un petit screen de la fin. On se retrouve pour vendredi prochain pour ma dernière vidéo débat de l'E3 avec d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et pourquoi pas vous abonner, ce serait tellement énorme. Allez, merci tout le monde. Prenez soin de vous et on arrive aux 5000 abonnés. C'est quelque chose d'énorme. Salut tout le monde. Meanwhile.